Eh ben salut tout le monde, c'est SGamer54, on se retrouve pour la finale, le dernier épisode de cette mini-série sur FIFA 23 et la Coupe du Monde, hein, évidemment. Du coup, excusez-moi. Du coup, Belgique-Espagne, défaite, été battue. L'Espagne, équipe... c'est la Belgique qui est troisième. Incroyable, ils ont gagné 1-0. Ok. Bon, c'est mérité. Hein. Franchement, c'est mérité. Et là, les amis, nous sommes en finale de la Coupe du Monde. Ça y est, on y est. France, Pays-Bas ou Pays-Bas-France, c'est comme vous voulez. Waouh. Et là, par contre, avec rien que le match qu'on a fait contre la Belgique, on perdait 2-1. Après, on s'est fait ramener à 3-1, après 3-2, 4-2. 4-3 et après on a fait jusqu'à la victoire, ça c'est vraiment cool. Franchement, on mérite de gagner. On mérite de gagner cette Coupe du Monde. Regardez-moi ça, elle est ici. Du coup, c'est le dernier match. Du coup, pour le dernier match, je vous laisse toute la scène du début jusqu'à la fin. On va pas passer. Et comme ça, on va profiter. Dans l'ambiance de la finale, alors là l'équipe d'Argentine mène toujours 2-0, hein. Mais là il reste plus beaucoup de temps, hein. C'est les arrêts de jeu en plus. Elle est magnifique la Coupe du Monde, regardez-moi ça les amis. Et nous sommes les teneurs du titre. Les teneurs du titre. Allez. La Belgique a quand même éliminé l'équipe des Allemands, hein, parce que... Waouh. Allez, par contre les Pays-Bas ça va être chaud. Hein. Allez, voici la composition de l'équipe des Pays-Bas. Bon, je pense pas que ce serait ça en finale, hein, je vous le dis clairement. Je pense en vrai que ce sera pas ça comme finale. Moi, je vois bien le Portugal en finale. Ou le Brésil, pourquoi pas. Après, on verra bien. Hein. En tout cas, nous, sur FIFA, on est en finale de la Coupe du Monde, et ça fait plaisir en tout cas. Allez, en tout cas, Griezmann, et après, Kylian Mbappé. Et Benzema, ça y est, oh yeah les amis. Et l'équipe argentine est toujours en cours. Il y a 7 minutes d'arrêt de jeu pour le moment. À mon avis, ça va jouer jusqu'à peut-être 8 ou 9 au moins. Allez, c'est parti les amis. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, t'es toujours en contre-attaque. Antoine Griezmann qui fait passer la main, fait avec Benzema. Benzema qui passe à la frappe et c'est le golazo. Voilà. Premier but des Français, Karim Benzema qui marque première occasion, premier but, incroyable. Comment on l'a emmené dans les choux. Ça y est, c'est fini les amis. L'Argentine, ils ont gagné 2-0, incroyable. Incroyable. C'est fini. Bah du coup ça va jouer au dernier match, hein, contre la Pologne, hein, pour les Argentins. Et puis pour le Mexique ça va jouer contre l'Arabie Saoudite. Du coup tous les, bah,
En gros, le groupe de l'Argentine, clairement, s'est relancé. Hein. Tout est relancé, et ça, c'est cool. Après, c'est moins cool parce que c'est les futurs adversaires de l'équipe de France, en vrai. Du coup, on verra bien. Hein. Bon, attention. Ouh, les Pays-Bas qui a failli marquer. Allez, les tenants du titre. L'étonnant du titre, les amis, qui mènent 1-0 l'équipe de France. Et ça, ça fait plaisir. Bon, attention, Antoine Griezmann. Grisou. Aïe, 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 aïe. C'est bien dommage. Allez, Benjamin Pavard. Varane. Oh, attention. Attention, la frappe de Pays-Bas qui mène 10 un petit peu trop fort. Et heureusement pour nous. Allez. Oh, Karim Benzema. C'est dommage. Karim Benzema qui va faire un passe à Mbappé. Mbappé qui était hors jeu. Hors jeu de Kylian Mbappé. Mbappé qui va essayer de... Pourquoi pas marquer un petit doublé? Ou au moins un but? Ou Griezmann, pourquoi pas? Ouh, yes! Magnifique tac de la défense du côté des Français. Et je crois que c'était Pavard qui a fait un tac comme ça pour défendre. Bon, attention, qu'est-ce qu'il fait? Allez, Mbappé. Mbappé qui va le meilleur buteur de la Coupe du Monde pour le moment. Mbappé, Mbappé, pourquoi pas garçon, oui, oui, Mbappé, incroyable, Mbappé qui vient marquer Kylian, et c'est son 12e but, je crois, mais, je pensais pas sur l'été, hein. Je crois que c'est son 11e ou 12e but. Hein. Kylian Mbappé. Incroyable. Il emmène 2-0. Oh, attention. Griezmann. Il tire pas du pied là. Merde. Dommage. Allez, allez Rabiot, Kylian Mbappé, 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 et ça fait 3-0 pour l'équipe de France. Allez, tout, 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 incroyable. Bon. Est-ce que déjà le match y est pillé? Je pense que oui. Hein. Clairement. Ah. Ça bug. Au secours. Pourquoi ça fait ça? Je pense. En fait, depuis. Ma extension de la Coupe du Monde, certes, heureusement c'est gratuit. Parce que c'est quand même bugué des fois. Hein, je vous dis clairement, hein, la preuve, on a eu une petite frise magnifique. Karim Benzema! Avec Kylian Mbappé. Je vous ai dit, hein, Kylian Mbappé, je vois bien marquer un doublé. Il l'a fait. Ou attention, Karim Benzema qui a failli passer. Moi, bon, je pense à la deuxième période, on fera rentrer Ousmane Dembélé, Giroud, pourquoi pas. Peut-être pas tout de suite. Allez. Oh, une petite faute, monsieur. On n'a pas eu beaucoup de coups francs avec l'équipe de France, hein, quand même, non.
Attention, attention, le Pays-Bas qui vont essayer de marquer. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, faute pour nous. C'est cool. Oh non, Varane. Bien joué. Allez, le match est peut-être relancé pour les Pays-Bas. Allez, faut pas qu'on se fasse rattraper parce que sinon on va faire pas mal d'erreurs et ça serait un peu dommage. Ça emmène quand même 3-0. Allez. Oh, c'est dommage du côté de Mbappé qui a pas su d'en profiter. Oh non, mais non. Allez. Non, non, il n'y a pas faute. Je touche le ballon. Ça, il m'a... Oh, c'est dommage. Oh, c'est dommage pour Antoine Griezmann. Oh non, non. Antoine Griezmann est blessé. Drizou est blessé. Mais non. Il se blesse à la finale, lui. Oh, et on est hors jeu, là. Putain, Antoine Griezmann est blessé. Ouais, il est blessé. Bon, on va essayer de jouer à... Le russe, bien joué gamin. On va essayer de jouer jusqu'à la fin de la première mi-temps. Allez. Ouais, il est blessé. Je confirme, il est bien blessé. Fofana. Ah, c'est même pas Fofana, purée, mais je confonds avec tout le monde. Bon, allez. Allez, Kylian. Allez, Kylian Mbappé qui va la chercher. Bien joué, gamin. Oh, dommage. Allez, 3. Du côté des Français. L'équipe de France qui mène 3-1 pour cette grande finale. Incroyable. Bon, Antoine Griezmann, hein, évidemment, va changer. On va mettre Théo Hernandez. Coman à la place de Fofana. Dembélé à la place de Rabiot. Hernandez, on va redescendre un petit peu. Et là, on va mettre Olivier Giroud. Pourquoi pas? Comme ça, les trois attaquants. Karim Benzema, Giroud et Mbappé. Ils vont pouvoir jouer. Et c'est parti. Encore 45 minutes, les amis, à tenir pour l'équipe de France. Et on sera double championne du monde. Voilà, tout simplement. Bon, attention. Attention. Oh, attention, ça, ça... Ouh, Pavard qui vient de sauver. Voilà, voilà. Allez. Yes. Mbappé. T'as vu Olivier Giroud? Olivier Giroud! C'est quoi ce but? Mon Dieu. Mais c'est quoi ce but de... Ah purée, ça bug. Mais regardez-moi ça, bim! Va la chercher celle-là, ma gueule. Va la chercher. Incroyable. Quatrième but pour Olivier Giroud. Allez. Varane, Pogba,
c'est pas Pogba, c'est Pavard. Allez, Coman. Oh, Coman qui est en train de les emmener au chou. Allez, Giroud. Pourquoi pas le cinquième? Non. Giroud qui a marqué quand même 4 buts, hein, les amis. Incroyable. Oh, Kylian Mbappé qui récupère le ballon. Ousmane Dembélé. Allez, Coman. Allez. Oh non, non. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, pas de panique. Mais non. Pavard. Benjamin Pavard. Et Benji. Oh, c'est but. C'est sûr. J'avais vu. Bien joué. Bien joué, Junk. C'était sûr. Bon, allez, ça fait 4-2. 4-2 en faveur de l'équipe de France. On est toujours champion pour le moment. Ah, Karim Benzema, tu devais faire une passe. Allez. Oh, attention à la contre-attaque. Allez, la contre-attaque du Pays-Bas. Le match est encore papillé. Oh, Varane qui joue trop avec le feu. Ouais. Varane qui joue trop avec le feu, malheureusement. Oh, attention. Attention. Oui. Hugo. Parfait. Parfait, parfait. Avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a pas réussi à passer malheureusement. Dommage pour lui. Ouh, ça c'est magnifique ça. Allez, Ousmane Dembélé. Dembélé qui donne tout. Ah, il se fait ramener dans les choux. Non, 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 il n'y a pas faute. Allez. Coman. Olivier Giroud. Encore 20 minutes les amis. 20 minutes à tenir, attention. Oh là 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 là. On menait 3-0. Je répète. On menait 3-0. Ah, excusez-moi, il y avait un petit souci. Voilà, c'est bon. Du côté le troisième but plutôt des Pays-Bas, hein. Et là on a un but, on a un but à conserver, ou ouais, faut en mettre un clairement, il faut en mettre un pour si on gagnait 3-0, hein, les amis, hein. 3-0 et puis là après oh non, non. Oh non. Allez, c'est bon, 6 mètres pour nous. Il faut vraiment marquer, hein, parce que là... Moi, ça me fait peur, hein, le match, là, clairement. Allez. Ousmane Dembélé, Dembélé qui a passé. Dembélé, la frappe. Aïe, 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 aïe. Allez, magnifique. La tête. Coman, c'est un corner. Oh la vache. Allez. Ah, le contre de dommage du côté de Dembélé. Je crois que c'est Dembélé qui a fait un contre comme ça. Allez, Coman. Allez, Coman. Qui c'est, Coman? C'est pas possible. Allez. Oh non, Pavard, c'est bon.
Attendez, je vais juste voir un truc. Si on peut changer le rôle. Ah, on peut pas changer capitaine. Dommage. Je vais mettre un autre joueur, mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre Giroud en capitaine, mais malheureusement, on peut pas. Tavares, il peut plus. Les défenseurs ne sont plus. Sont cuits. Allez, Ousmane Dembélé. Dembélé qui va mettre peut-être à vitesse et ça mènera à rien. Nous sommes à la 88e minute. Allez. Oh non. 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 Le 4-4. Mais non. Allez. Mais non, t'as poussé trop le ballon. C'est dommage, j'avais une case. Ah, ça sent les pros. C'est les pros. Oh non. Je suis dégoûté. Les prolongations, les amis. Ah là là. On a 30 minutes. Bon, ça serait dommage, quoi. Et c'est la première fois qu'on est en prolongation, les amis. Hein. Le nombre de pots, c'est en finale, quoi. Mbappé. Voilà. But de Karim Benzema. Incroyable. M'en fous, un but c'est un but maintenant. Mbappé, magnifique passe. Allez, il faut y croire les amis. 5 buts pour Karim Benzema. Déjà, on ne devait même pas être en prolongation, quoi. On devait même pas aller en prolongation. Allez Mbappé. Oh putain, ça lag. Bon, c'est bon, on a gagné. Voilà. Là, je sais pas pourquoi. En fait, les amis, le jeu n'est pas bloqué. Hein. C'est juste pendant la Coupe du Monde. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais ça fait ramer le jeu un petit peu, des petits lives comme ça. Mais bon. Après, le plus important, c'est qu'on a marqué. Et ça fait plaisir. Allez. Mbappé, oh c'est son festival, voilà, Mbappé, voilà les amis, yes, il est en train de les enchaîner les buts, ça y est, Mbappé là il est énervé, hein. C'est à 4. Oh, magnifique défense. Oh oui, Ousmane Dembélé.
Dembélé qui va peut-être ajouter un but. Et oui, ça y est, ils sont morts. Ils sont plus là, les Pays-Bas, ils sont plus là. Let's go. Voilà. En 15 minutes, on met 4 buts à l'équipe du Pays-Bas. Incroyable. On met 4 buts, les amis. À l'équipe des Pays-Bas, en 15 minutes, on met 4 buts. Incroyable. Mais je crois qu'ils ont tout donné pour égaliser. Ils ont tout donné comme force. Ils ont tout donné. Allez. Il reste 15 minutes. Et je pense qu'on peut dire qu'on est champion. Parce que là rattraper 4 buts en 15 minutes, ça va être chaud. Hein. Allez, Dembélé qui est chaud. Dembélé qui est chaud. Ah, c'est dommage. Allez. Magnifique. Mbappé, t'as failli marquer. Oh, la frappe. C'est qui? Je crois que c'était Varane. Ouais, c'est Varane. Et on pouvait y croire. Hein. On pouvait y croire, les amis. Tiens, la finale, elle dure 25 minutes à peu près, la vidéo, pour le moment. Et après, il y aura la remise du prix, hein, de la coupe. Du prix, moi. Non, de la coupe, avec la célébration et tout. On laissera tous les amis, évidemment. Après, on reviendra dans le menu de la Coupe du Monde. Pour savoir qui est le meilleur buteur. Bon. Voilà, il n'y a pas trop de surprises maintenant. Mais voilà, pour voir le classement général des meilleurs passeurs, des meilleurs buteurs, etc. etc. Bravo. Bravo les Pays-Bas. Vous avez quand même marqué 5 buts. Hein. Incroyable. Allez, il reste 5 minutes. Oh non. Attention. Attention les Français. Mais non. Oh. Ah. Les Pays-Bas qui donnent tout. Hein. Oh, la petite blessure du Pays-Bas. Allez, Giroud qui se prend un jaune. C'est Berthe, un jaune, évidemment. Allez, Ousmane Dembélé. Dembélé qui veut aller tout seul. Ça y est, le jeu. Hugo Lloris, ça c'est le but du Pays-Bas, 8-6 les amis, et ce sera les Pays-Bas qui vont marquer le dernier but de cette rencontre, magnifique. Et là les amis, nous sommes, je ne touche plus à rien, parce que ça va être la fin de cette rencontre, la France est doublement champion, ça veut dire ils sont venus avec la coupe et ils repartent avec eux du Qatar dans le virtuel, évidemment, dans FIFA, et espérons que la France, ils vont réussir à faire le même parcours en vrai. Et c'est fini, nous sommes champions du monde. Yes, vamos, bien joué. Et voilà, Théo Hernandez est heureux. Les Pays-Bas qui sont un peu dégoûtés. Waouh. Allez, on va découvrir la célébration.
On va faire une capture d'écran. Voilà, capture d'écran, c'est fait. Nous sommes champions du monde. Imaginez-vous, en vrai, on revoit cette image-là en vrai. Ça serait chef-d'œuvre. Ça serait un truc de fou. Et moi, je peux y croire, parce que contre Danemark, le match de l'équipe de France, franchement, il me fait des bonnes impressions. Hein. Honnêtement. Mais en tout cas, voilà. Victoire 8 à 6 en faveur de l'équipe de France, championne du monde. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau, les amis. Incroyable. Du coup, avant de terminer cette série de la Coupe du Monde, les amis, franchement, j'ai kiffé. Hein, je vous le dis clairement. J'ai adoré. Du coup, Mbappé, 14 buts en cette match. Mertens, hein, évidemment, qui a monté comme une flèche. Ouais, c'est un triplé de buts hein, contre la Belgique. Incroyable. Après, Griezmann, 5 buts. Benzema, 5 buts. 6 buts pour Dembélé. Mais 14 buts de... 14 buts de l'équipe de France, de Mbappé, c'est énorme, hein, c'est vraiment énorme. Une passe décisive, Mbappé, voilà, 13 passes décisives. Oh, oh là 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 là, c'est... En gros, Mbappé a tout fait. Ah, Giroud, ouais, Giroud, il avait quand même monté, hein. Ah, il aurait pu marquer, et Giroud, il marquait un seul but. En plus, il a marqué un très beau but en finale, hein. Évidemment, un but magnifique. Giroud, s'il aurait pu marquer un autre but, il aurait pris la place de Mertens. Il aurait été les échos avec Griezmann et Benzema. Mais bon, après, c'est pas trop grave, hein, évidemment. Mbappé, meilleure passe décisive. Ouais, on rencontre 14 buts et 13 passes décisives. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Invincibilité, ça sera Ederson, le Brésilien. Nous, les Français, on n'est pas dans le classement, je crois. Non, on n'a pas l'air d'être dans le classement, nous. Du coup, voilà. Celui qui a pris plus de cartons jaunes, c'est De Bruyne, avec 3 cartons jaunes. C'est énorme. Nous, je crois qu'on... Ah, si, on a Giroud, avec un seul carton jaune. Ouais, c'est juste Giroud qui rentre dans... Ah non, ah, si, Giroud, il n'y a que Giroud. Et sinon, carton rouge, il y avait Cavalo, de Portugais, le Brésilien, Tay, Rodance et l'Australie Karachik. Ok. Et puis, voilà. Du coup, voilà le bilan de cette Coupe du Monde. Espérons-le que l'équipe de France va faire le même parcours. Peut-être moins dangereux que celui-là, hein, parce que... Mais ça serait quand même les fesses. Ouais, c'est bien la Belgique a gagné. Parce qu'on a quand même serré un peu les fesses, les amis, pour être honnête. Mais... ouais. Après, on verra bien. En tout cas, les amis, groupe C est vraiment très important comme groupe. Pour nous, hein, même pour la vraie Coupe du Monde. Hein. Parce que si on est premier et l'Argentine deuxième, on risque de affronter l'Argentine pour les huitièmes. Mais bon, après ça, c'est affaire à suivre, on verra bien. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette mini-série de la Coupe du Monde. Évidemment, on se retrouvera pour l'Euro, hein, l'Euro qui sera dans 2 ans. Sinon, bah, voilà, pour une petite mini-série, ça fait pas mal. Et puis en plus, c'est dans cette période qu'on fait ça. Et puis au moins comme ça vous avez vu la Coupe du Monde, comment ça fonctionne. Et puis évidemment quand la Coupe du Monde sera finie, bah, ce mode là ça sera enlevé aussi. Du coup je vais profiter pendant ce temps que j'ai eu un petit peu de temps. Et puis comme ça j'espère que ça vous a vraiment plu les amis. J'espère honnêtement que ça vous a plu. N'hésitez pas à bombarder le pouce bleu, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-moi de quel match que vous avez kiffé. Est-ce que c'est contre la Belgique? Est-ce que c'est cette finale? N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez préféré. Et pour vous, quel est le meilleur but de tout le parcours de l'équipe de France? Quel est pour vous est le meilleur but? Moi, je dirais quand même le but de Giroud qui a mis en finale.
Voilà. Après, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour ma nouvelle série ou pour une nouvelle vidéo en tout cas. Allez, des bisous. Tchuss.